Le plus que parfait est un temps du passé. On l'utilise pour des actions antérieures qui sont déroulées avant, celles exprimées à l'imparfait ou au passé composé. C'est également un temps composé. Ici, les auxiliaires être et avoir seront à l'imparfait, puis suivis du participe passé. Pour conjuguer un verbe au plus que parfait avec l'auxiliaire avoir, nous aurons avoir conjugué à l'imparfait, suivi du participe passé. Comme c'est l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accordera pas avec le sujet. Par exemple, j'avais fait mes valises, nous avions pris nos billets, ils avaient dit au revoir. Pour conjuguer un verbe avec l'auxiliaire être au plus que parfait, nous aurons être conjugué à l'imparfait, suivi du participe passé du verbe. Comme nous conjuguons avec l'auxiliaire être, le participe passé du verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, Lucie était tombée dans la cour, on met un E à tomber car Lucie est une fille. Vous étiez passé nous voir, ici vous, c'est du pluriel, je mets donc un S à passer. Et elles étaient allées aux urgences, je mets ES à aller, car le sujet elle est au féminin pluriel.